Oui, bah, moi, je peux attraper. Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres. C'est compris? Un prêtre de la Phalène? Par Oblivion, pourquoi donc avez-vous besoin d'un prêtre de la Phalène? D'accord, d'accord. Pas la peine de vous énerver. La solution la plus simple est d'aller à la cité impériale. Les prêtres de la Phalène résident dans la tour d'or blanc. Ils partent parfois à la recherche de parchemins des anciens. Vous avez de la chance. Un de ces prêtres de la Phalène est justement en visite en bord de ciel. Il est passé à la bibliothèque pour faire des recherches avant de repartir pour Pondragon. Vous devriez pouvoir le rattraper si vous vous dépêchez. Ok, d'accord. Donc, Brandt, c'est une mission pour nous. Brandt. Non, mais je l'adore, le chien. Je trouve qu'il est trop mignon. Enfin, c'est trop rigolo, quoi. Qu'ils aient mis un chien, je pense qu'ils ont... Moi, j'aurais pas pensé à foutre un chien, quoi. Bon, ouais. Oh, bah, oula. Jamais j'aurais mis un chien. Enfin, j'aurais pas pensé tout de suite, mais... Enfin, j'aurais pas fait la même chose. Mais bon, c'est... Ils sont bien faits, ils sont bien faits. Je suis que niveau 45, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, je voulais faire un truc. Je vais le faire juste après. Expert. Donc si c'est vraiment trop hard en expert, et ben j'arrête. Je mets en dur, mais pas trop dur. Vous m'avez compris. C'est en fait c'est la seule cité. Attention. C'est la seule cité qui est encore impériale. Hein. T'es qui toi? Attention, c'est le gamin, il se baigne dans les flammes. Allez, on meurt. Faudrait que je mette le truc de le truc de Bob. Oh, ouais, j'en ai marre. Oui, wait. On se la refait à la clairvoyance. Rendez-vous utile et allez couper du bois pour le feu. Il y a quelques pièces à la clé. Non. What the fuck? Ah, j'ai compris, il y a des vampires. Là, toi, mort. Et toi, bon, bah, je vais laisser les autres. Monte, non. Mon chien. Vous n'avez aucune chance. Je me rends. Mon chien a failli mourir. Oh, il est mignon. Je crois que j'allais perdre mon dog. Oh, émeraude. Il y a vraiment un chouchou. Attends. Voilà, ça c'est un truc que j'aurais pas fait pour l'India ou quelque chose d'autre. Non. Moi, bon, il s'en fout. Trop travailler, ça finit par vous pousser à trop boire. Surtout quand on a une femme comme la mienne. Ça veut dire que j'en ai un. Bref. Go. Je masque pas. Vous avez beaucoup voyagé. Ça se voit. Moi, je suis pas un trisomique. Ok. Bon, là, je me suis fait troller. J'ai vu des gens. Ah. Ok. Recommandable passer par ici récemment.
Bienvenue dans notre bourgade. Un prêtre de la Phalène ? Je regrette, mais ça ne me dit rien. Demandez à l'un des gardes. Ouais, en fait, tu sers un peu à rien. Au revoir. What the bug ? C'est vous qui venez de l'académie, non ? J'ai entendu parler de vous. Délivrer un dragon captif, ça je ne le comprendrai jamais. Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Sauf que tu... Rendez-vous utile ? Non, je ne crois pas. Lol. Eh bien. Oh, ouais. Désolé. Si vous cherchez une chambre, un prêtre de la Phalène ? Allez, je me regrette, mais ça ne me dit rien. Bonne journée. Faites attention. Et toi, petit ? Vous êtes soldat ? Je sais pas ce que c'est un prêtre de la Phalène, mais j'ai vu passer un vieillard en robe il y a pas longtemps. Il était sur un chariot avec quelques gardes impériaux. Ils se sont pas arrêtés par contre. Ils ont traversé la ville en direction du sud avant de traverser le grand pont. C'était il y a peu de temps. Vous avez une chance de l'attraper. Voilà, c'est un gamin. Tout le monde ne sait pas. À la prochaine fois. C'est un gamin qui m'a appris où était le vieux. Après, ça peut être méchant, mais... c'est un peu... Ah, alléluia. Bon, ils ont traversé le pont, il m'a dit. Donc... On va les rattraper. On va mettre un petit point de contrôle, on va dire. Donc le gamin m'a dit que c'était... Ouais. Je parle pas trop, mais bon. Les ordres ont changé. Vous allez tendre une embuscade au sud de Pendragon. Mettez le prêtre de la Phalène en sécurité, refuge des ancêtres, en attendant que je le brise. Oui, mais encore. Bon bah, Brandt. Des parchemins des anciens. Je me replonge dans le parchemin des anciens car ça faisait un moment. Les érudits savent parfaitement que la lecture des parchemins des anciens comporte certains dangers. Pourtant, la façon dont leurs effets fonctionnent reste jusqu'ici largement méconnue. Même si les théories fameuses de savoir caché des châtiments divins fait l'objet de multiples hypothèses qui n'ont du reste donné lieu qu'à fort peu d'enquêtes sérieuses. Ok, d'accord. Donc, Brandt. On va y aller, Brandt. Non, mais moi, j'adore. Je pense que je vais le garder tout le temps, le chien. Même quand j'aurai fini la quête principale, la nouvelle. J'utilise le parchemin des anciens. Je n'ai plus de facelim. Le parchemin étant le chien, il aidera à comprendre avec tes... Ouais. Toujours l'épée à la main. Est-ce qu'on peut se battre avec... Oh, ouais. Ninja. Oh. J'aimerais bien décapiter quelqu'un à un cheval. Donc sans enchantement et sans forgeage. Je sais, je suis trop fort. Ah oui, je peux décapiter maintenant. Ouais, mais faut que je passe le niveau. Fuck. Hop. On va se la faire comme l'autre fois. Donc j'ai rien fait sans vous, hein, vraiment. Je me suis juste un petit peu baladé. Champignon. Ouais, le même style de connerie. Le même style. Pardon, j'espère que ça aussi, ça ne sera pas entendu, un petit peu comme la dernière fois. C'est un chien. C'est pas Brandt. Je sais. Dans le cul.
Oh, comment il a bugué. Non mais comment il a bugué le chien. Je l'ai tué là. Je l'ai tué ici, il a fait... Bref. Brandt, t'es bien plus discret qu'il est là. Alors que... Poupidou, pidou. Oh non. Le lol a frappé. Donc là, en fait, on va y aller en mission commando, c'est-à-dire on va tuer tout le monde. Sans se tuer soi-même. Ah non, le conneau. J'alerte. Ouais, Brandt est là, j'avais un peu peur pour lui. Vas-y, Brandt. C'est bien là. Je crois qu'on est très bon. Thorvakin Boots. Donc là, carreau d'acier, je suis sûrement avec l'arbalète. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'aime pas trop ça. Ouah, distorsion du temps. Ça se trouve, c'est le moine, il s'est planqué. Coucou. Allez. Mort sera rapide et flamboyante. Bon, je suis Dark Moon. Petite roulade très bien carrée car je me suis même pas vu repérer. Allez, je me casse. Oups, j'ai tout pris. J'arrive pas à passer. Pas méchant. Oh. Lol, c'est quoi ça? Les vampires. Oh non, je n'ai pas. Les dieux se cachent depuis le ciel. Et c'est devenu tellement le bordel que la province fait appeler bordel ciel. Voilà, donc oh. D'où tu touches le chien? Non, le chien. Attendez, stop, je me rends. Ce n'était pas moi que vous combattiez. Je voyais bien à travers mes yeux, mais il m'était impossible de contrôler mes propres gestes. Merci de m'avoir aidé à me débarrasser de ce vampire. Oh, t'as un sabre. Oh, t'es un ninja, mec. Je vous dois la vie. Pas autant que je le souhaiterais. J'ai consacré une grande partie de ma vie... Voilà, c'est tout, des parchemins des anciens, mais leur mystère semble parfois totalement insondable. Mes frères de l'ordre sont dans la même situation pour la plupart. Nous n'avons toujours pas pu déterminer leur origine exacte, ni leur auteur. Toutefois, nous savons que certains naissent avec un don particulier qui leur permet de lire les parchemins des anciens. Ces rares élus
sont capables de voir des événements passés et à venir dans les parchemins, même si ce pouvoir nous rend progressivement aveugles. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire plus. Les parchemins des anciens restent une véritable énigme. Mais j'en ai un, et en plus, ils s'en foutent de moi, ils veulent lui de la meuf, là-bas.